imagine souvent que un bon bilingue mettre jamais les six élèves. Adon, ou de prédire un élève ou un autre. Et si ce qui met que l'élève sont pas de bons bilingues. Et les études l'ont démontré qu'il n'est pas bien vrai. Par exemple, notre créoliste, qui a le nom Robert Lepage, qui l'a dit, les pas de la nature de la langue humaine, que des objets de ce genre puissent exister. Et quand près des objets de ce genre, près des langues comme système clou, séparé de l'autre. En réalité, ça les deux apparaît avec la naissance de la linguistique moderne, donc le commencement des années 1900. Et les linguistes, pour faire l'analyse d'une langue, d'une autre langue, prennent deux systèmes linguistiques. Donc, note le système et le niveau phonologique, le niveau morphologique, syntaxique, lexical. Et bien utile pour faire l'analyse. Donc, pour s'en dire, par exemple, un patois de la commune X ou Y n'est si paradigme des verbes, par exemple. Et dans le patois de l'autre commune, elle est différente. Et après, par exemple, de l'italien ou de le français, elle est encore une autre bague. Sono le vrai per l'analisi linguistica. In mio tempo, invece, come prendono le persone, e non anche le persone che prendono delle lingue minoritarie, ma quelle persone che prendono nuove lingue dominanti, standardizzate, eccetera, vediamo che dalla conversazione di tutti i giorni, mettono tutte le lingue. Elle est bien normale. C'est la situation la plus typique de la conversation bilingue. Quelques coups l'ont compris déjà de la distinction entre cinq langues mot la diffusion et la focalisation. Alors, imaginez un appareil photo, par exemple. Pour servir une image bien claire, sans la focalisation. Adon, in qualche situazione, non è fatto di prendere neanche una lingua. Per esempio, se si fa un discorso ufficiale per una comunità di plurilingue, magari prendere neanche la lingua che c'è preso, neanche il francese, l'italiano, l'inglese, eccetera. O neanche il patois, se la conferenza, per esempio, è un patois. Il contrario, di la vita di tutti i giorni, n'è jamais sulla necessità di prendere una lingua. E sono le cinque che hanno la diffusione, come l'immagine che non è ben chiara, che non ha dei limiti ben netti. E la situazione normale quando tutta la comunità, cioè i partecipanti, hanno cinque, no, le sociolinguiste, non dicono, il repertoire linguistico comune. Adonno presente le mie lingue e più semplice tutte le lingue di una maniera o di un'altra. E adonno le 5 conti per non essere membro della mia comunità. E so la situazione ben normale all'échelle mondiale per tutte le comunità plurilingue.